Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yasko Bon. En tout cas, vidéo, c'est tout s'abonner. Cliquez là sur abonner pour activer la cloche, ne pas manquer tout ce qui nous dans nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, il faut que nous vous disions quelque chose. Il faut que nous vous disions que le diable Satan, il existe, il est bien réel. Et chaque jour, il nous cherche. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois chrétienne ou pas, le diable te cherche. Tu vas voir, il va venir, hein. Tu as arrêté là comme ça. Il va se déplacer, il va venir uniquement pour te chercher. C'est ça les sorciers, c'est ce que le diable fait chaque jour. C'est-à-dire que le diable ici est devenu comme une occasion de chute. Et tous les sorciers qui sont autour de nous sont devenus comme une occasion de chute. Ils vous cherchent. Et si vous priez même, c'est grave. Si vous allez voir, hein, dans la famille là, un homme peut avoir l'argent. Même plus d'argent que vous, plus il doit élever, même plus, bien plus que vous. Mais comme vous priez et qu'il vous cherche et que lui-même le sorcier là, si vous êtes dans une petite chambre, il va venir dans cette chambre là. Rien que pour compliquer la vie, il va laisser sa chambre climatisée là pour venir vers vous parce qu'il vous cherche. Et c'est le diable qui est derrière tout ça. Mes frères et sœurs, il faut que nous vous disions qu'aujourd'hui, le diable travaille sérieusement. Et il fait des choses qui sont vraiment pas bien. Soyez prêts. Voici un homme de Dieu qui un jour va sortir. Il va sortir aller rendre visite à une famille. Et comme le diable sait que quand cet homme de Dieu va arriver là-bas, là, il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose de grand qui va se passer. Vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à crier par là dans la maison. C'est-à-dire, il a touché la femme de l'homme de Dieu pour pouvoir crier une sorte de par là. C'est-à-dire, crier des combats. Pourquoi rien comme ça? Il crée des combats. Ah chérie, pourquoi la dernière fois tu m'avais fait ça? Bout de rêve là. Et pourquoi tu dis qu'il ne faut pas apporter bout de rêve? Mes frères et sœurs. Pour distraire l'homme de Dieu, pour ne pas que l'homme de Dieu soit concentré et qu'il puisse tout simplement aller là-bas parce qu'il y a un combat qui attend là-bas. Ça veut dire que là, sa femme est devenue comment? Une occasion de chute parce que le diable est entré en elle. Ça veut dire que quand vous êtes avec quelqu'un à la maison là, vous devez avoir l'esprit de discernement. Bien regarder pour voir qui parle au travers de la personne qui est auprès de vous, qui parle au travers de cette personne là. Regardez dans la parole de Dieu. Que s'est-il passé? Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, que pensez-vous de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il y a un parmi ses disciples qui a dit? Tu es un frère, tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ah, bien, yeah, ça c'est Dieu lui-même qui a parlé en toi. Que Dieu te bénisse. Après, quand on devait, Jésus a annoncé qu'il devait être crucifié, tout ça, et qu'ils allaient se ressusciter le troisième jour. Il y a un de ses disciples qui s'est levé un coup, le même. Hein. Il dit non! Prions! Prions, Dieu va renverser cette situation. C'est Satan qui parle à toi. Hey! Il a dit quoi? C'est Satan qui parle en toi. Ça veut dire que la même personne qui vient te dire que tu es bien là, c'est la même personne qui peut susciter ta chute. Mais toi, fais attention. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce qu'il était écrit que Jésus-Christ devait être crucifié. C'était pour une bonne raison. C'était déjà écrit. Si Dieu dit que tu vas réussir là, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas réussir. Même si les sorciers ont qu'à se lever, ils ont qu'à placer des barrières pour essayer de t'empêcher d'avancer, pour essayer de te faire chuter. Ça ne va pas marcher. Et quand cet homme de Dieu là, il a vu sa femme faire ça, comme on dit, les hommes de Dieu ne se fâchent pas, il ne s'est pas fâché. Il a essayé de l'obéir tranquille. Ah, en plus tu vas prier là-bas là, il faut être disposé. Mais sur le chemin, vous allez voir ce qui va se passer. Tous ceux qui sont dans son quartier, qui sont des sorciers là, vont se lever maintenant. Ah, l'homme de Dieu là, lui, là, il prie toujours, il prie toujours là. Il fait du bruit. L'homme de Dieu, ça peut être allé là-bas là. Pour prier là, voici des trucs par là. Mais le diable a commencé à créer des combats. Il dit que le diable là,
Dans la maison, il peut y avoir des représentants. Vous essayez de créer votre chute. De la maison, ils vont commencer à échouer dans la maison d'abord. S'ils ont échoué là, quand vous allez sortir de la maison là, les sorciers qui vous entourent, les sorciers qui sont au quartier là, ils vont commencer à créer des combats. Le diable va les susciter comme ça pour venir créer des combats. Ah, c'est toi qui prie. Ils vont chercher n'importe quoi pour vous accuser, pour essayer de vous distraire. Ils savent que l'homme de Dieu là va aller prier là-bas, va débloquer la vie des gens là-bas. Dieu va intervenir dans la vie des gens. Donc ils vont créer des combats sur la route. Même sur le chemin là, le véhicule que l'homme de Dieu a pointé là, le véhicule là, il y a eu panne. C'est tombé en panne. C'est le diable qui créait tout ça pour ne pas que cet homme de Dieu là puisse crier. Faire quoi? Puisse voir, puisse délivrer les gens là-bas, Dieu, pour ne pas que Dieu se manifeste là-bas. Ça veut dire que si vous devez réussir, le diable va envoyer ses agents pour vous combattre. Et ils seront comme une occasion de chute pour vous. Il ne faut pas vous voir réussir. C'est comme des ennemis. Ce sont des ennemis même. Et ces gens, ce sont des gens qui sont mauvais. Ils ne sont pas gentils du tout. Ils ont un mauvais esprit. Ce sont les démons qui opèrent en eux. Si on leur demande de vous tuer, il ne faut pas hésiter. Et quand ils attaquent sérieusement. Alors vous levez-vous également dans la prière, vous les attaquez au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Il y aura toujours des occasions de chute autour de vous. Mais vous, soyez vigilants. Voici des âmes qui doivent être avec vous. Les fruits de l'esprit. Vous devez avoir la tempérance. Vous devez avoir la douceur en vous. C'est Dieu, hein? Mais ce sont des âmes très puissantes. Vous devez prier. Vous devez consulter Dieu. Confiez votre vie à Dieu. Et poser des actions. Quand le diable va venir vous provoquer là, qu'est-ce que Dieu fait là? Qu'est-ce que cet homme de Dieu a fait? Il n'a pas réagi. Douceur, essayez de calmer la situation. Quand vous essayez de calmer la situation, là, le diable lui devient faible. Et vous gagnez sur lui. Et quand vous allez voir dans la famille, il y aura des combats. Même quand vous serez prêt à dormir parfois là. Quand vous serez prêt à dormir, vous allez voir, c'est là le diable va venir mettre son argent à vous et vous faire le bruit. Boum. Pour essayer de vous faire peur. Pour vous faire dévier du chemin de Dieu. Attention, c'est une occasion de chute. Faites attention, c'est le diable qui fait ça. Pour essayer de vous éloigner de la gloire qui arrive pour vous. Mais soyez-en sûr, Dieu sera toujours près de vous. Pour vous garder, pour vous protéger. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous délivre de toutes sortes d'occasions de chute que le diable passera de vous. Ou encore, que les sorciers passeront de vous. Soyez prêts. Soyez prêts! Les vidéos qui vont suivre vont vous étonner. Merci pour vos dons. Merci pour vos likes. Merci de vous être abonné. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette vidéo. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera d'une grande utilité pour vous. A bientôt. Merci. Bon. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse.